La data permet de créer de l'agilité dans une organisation finalement à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que la data peut permettre d'installer un langage commun au sein des grands processus de décision de l'entreprise. Nous travaillons notamment beaucoup sur l'évaluation de ROI ou les optimisations des budgets. Et donc installer ce langage commun permet plus de fluidité en prise de décision, puisqu'on est un peu moins sur chacun va défendre son précaré avec son propre langage et ses propres indicateurs, mais plutôt on est dans des discussions plus vertueuses puisqu'on a un juge de paix qui serait la data et la façon d'évaluer le ROI. L'autre façon d'apporter de l'agilité, c'est que la data peut aussi travailler, on peut travailler à l'optimisation des process, et donc identifier au sein de chacune des fonctions de l'entreprise quels sont les éléments, les pain points, les éléments de les sources d'inefficacité, et donc avec la data, identifier où on doit travailler pour une plus grande agilité, donc une plus grande efficacité in fine.